On va voir comment est-ce qu'on peut utiliser les changements de décor, les changements d'arrière-plan pour construire un petit peu notre histoire et faire apparaître, disparaître des personnages, les faire parler, etc. Là, pour démarrer, j'ai deux arrière-plans. Un arrière-plan dehors et un arrière-plan dedans. L'arrière-plan dehors pour le démarrage de mon histoire et l'arrière-plan dedans pour la suite. J'ai mes deux personnages et par exemple, au début de l'histoire, quand j'appuie sur le drapeau vert, je veux que ma chauve-souris soit cachée. Parce qu'à l'extérieur, je veux ne voir que mon chat. Et la chauve-souris devra se montrer une fois que je serai à l'intérieur du château. Donc quand j'appuie sur le drapeau vert, hop, on voit que la chauve-souris a disparu. Et du coup, on va pouvoir démarrer notre histoire quand on appuie sur le drapeau vert en décidant qu'on est sur notre arrière-plan dehors, qui est le premier arrière-plan, et on va faire parler notre chat, par exemple, oh là là, j'ai froid, et si je rentrais, je ne serais plus tout seul. Donc là, on voit qu'il y a plusieurs phrases. Et c'est à partir de la fin de ces phrases que je veux rentrer à l'intérieur et donc changer de décor. Donc, à la suite de ces phrases, je vais préciser qu'on va basculer sur l'arrière-plan dedans. Donc, ce qu'il se passe, on lance le script, les dialogues se font bien, et une fois qu'il a fini de parler, on rentre à l'intérieur. Et là, c'est pile à ce moment-là que je veux qu'apparaisse ma batte. Donc, ce que je vais lui dire, c'est, je vais lui donner un autre événement, un événement déclencheur, qui s'appelle quand l'arrière-plan bascule sur. Ça, en fait, ça va détecter le moment où l'arrière-plan va changer pour, par exemple, montrer batte. Donc là, on lui dit, au départ de l'histoire, batte est cachée, mais quand le décor bascule sur l'intérieur du château, je vais dire à Bat de se montrer. Je peux même lui dire de parler à ce moment-là. Oh là là, tu as l'air d'avoir faim. Et là, quand on appuie sur le drapeau vert, on voit qu'on est dehors, que Bat n'est pas là, que le chat part. Et au changement de décor, Bat a détecté qu'il fallait qu'elle se montre et qu'elle parle.